Décidément pour la famille royale britannique, 2021 n'est pas de tout repos côté naissance. Après la naissance d'Auguste, le fils de la princesse Eugénie en février dernier, puis de Lucas, le fils de Zara Tyndall, en mars, sans oublier la naissance à venir de la fille de Meghan Markle et du prince Harry cet été, voilà qu'un nouvel héritier pointera le bout de son nez d'ici l'automne, amenant à 12 le nombre d'arrière-petits-enfants de la reine. Ce mercredi, le palais a révélé la grossesse de la princesse Béatrice, 32 ans, la fille aînée du prince Andrew. Quelques heures seulement après l'annonce, tombée le même jour que le 3e anniversaire de mariage de Meghan et Harry, les joyeux futurs parents se sont octroyés une petite sortie dans l'ouest de la capitale anglaise. Ils ont été photographiés tout sourire, en train de déguster une glace, et il était décemment impossible de ne pas remarquer le petit baby bump de la princesse Béatrice, apparaissant timidement sous la robe fuchsia que la jeune femme portait ce jour-là. Pour l'instant, on ignore tout du sexe du bébé, mais les paris vont déjà bon train concernant le prénom du futur enfant. Comme le révèle le site People, les pronostics privilégient Florence pour une fille et Theodore pour un garçon. Princesse Béatrice, déjà belle-mère depuis son mariage s'il s'agit du premier enfant de la princesse Béatrice, son mari, le promoteur immobilier Edoardo Mappelli Mosi, lui, est déjà papa d'un petit Christopher, né d'une précédente union, en 2016. Une situation qui offre déjà à la princesse le rôle de belle-mère et qui semble enchanter cette dernière. Cette année, j'ai eu le grand honneur de devenir belle-mère et j'ai passé un moment remarquable à me remémorer certaines de mes histoires préférées à l'heure du coucher, confiait-elle sur sa relation avec Christopher dans les pages de l'Evening Standard en mars.